aujourd'hui, j'ai accès à un entrepôt de 60 000 pieds carrés de costumes, de décors, d'accessoires, puis je peux faire comme n'importe quoi. Là, j'ai carte blanche, forte chance que ça vire très mal. J'ai décidé d'inviter ma grande chum Véro Cloutier, puis on va se monter notre vidéoclip de rêve pour Poulet Cru. Puis genre, je travaille ici, là, c'est moi le boss, checkez ça, j'ai un bureau, j'ai même un grand chien. C'est un chien de course, ça. Ça vaut cher, c'est un pur race. J'ai des factures d'une grenade avec ça, je pense. Même Cloutier? Il marche pas. Moi, il a envoyé un fax. Ça ferait combien de temps un fax pour se rendre à Boucherville, hein? On a comme 60 000 pieds carrés d'entrepôt. Fait que je me suis dit que j'allais préparer des affaires un peu avant que Véro arrive. Fait que là, je me suis fait comme un setup pour notre vidéoclip. J'ai trouvé ces gros murs capitonnés roses. Ça ici, c'est vraiment de la barbe à papa que je voulais faire un effet nuage. Finalement, on dirait un fillon qui vole, mais on le laisse là. Il me reste peut-être à presseter un tapis. On a le speaker pour faire jouer Poulet Cru. J'ai trouvé des grandes chaises qui sont aussi des murs. C'est vraiment une chaise mur. C'est bien à la mode, ça, c'est en titre. Ça look, hein? J'en viens. J'ai une passion pour les juments depuis le jour 1. Moi, c'est pas vrai qu'il y aura pas une jument dans mon clip. Ah! Je suis en train de bencher une jument, moi, là, ou quoi, là? Ce sera pas long, ma belle papa va te déposer. C'est rare que c'est les juments qui font de l'équitation. Imagine à part. Moi, j'ai déjà travaillé dans une écurie, mais en fait, vous savez, j'étais pas payé, là, mais ça, c'est le genre d'affaires que j'ai encore peur aujourd'hui de passer proche de d'un cheval. J'ai tellement peur qu'il me détabarnaque. Vous avez-tu vu des vidéos du monde qui se font péter le fion? Non, mais tu sais, le monde qui passe, là, que le cheval fait. Demain. Jamais je ferais ça un vrai. C'est un peu malaisant. Je pense que c'est trop gros. On repart, ma belle. En selle. Parfait, on va aller de poteau au pâturage. Mais en parquet de reculons. Y a-t-il un son de recul là-dessus? Prochaine fois, tu vas marcher, ma belle. J'ai le goût de danser. On est chez Télé-Ciné Montréal. Puis là, pour être honnête, t'es jamais venu ici. Jamais. Jamais, tu sais pas. Je connais ça. Ouais. Moi, je suis jamais venu. Fait que t'as. Ça sera pas bien long, je travaille ici, mais on y répond. Y avait-tu un téléphone? C'est-tu ici? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça te dérange pas? Mais non. Non, mais c'est parce que ça roule ici. Non, mais ils ont le droit de vivre. Non, mais. C'est quoi, là? Lui, il se ramasse avec un show de TV, puis finalement, il contrôle tout. Les gens vivent. En fait, c'est parce que je voulais juste qu'on se rende compte vraiment de la sonnerie pour que le monde sache que mon entreprise, ça roule ici. Ça dérougit jamais la location. C'est non-stop. Je suis venu visiter la semaine passée. Oui. J'ai failli pas m'en remettre de ce lieu-là, OK? C'est sûr. Toi, ici, c'est comme un rêve. Mais à 100%, c'est comme un paradis. C'est un lieu, on dirait que ça existe pas. Il y a tout. Genre, tu comprends? J'en ai parlé pendant des heures à tout le monde. Le monde sont plus capables que je leur casse la tête avec ce lieu-là. Fait que, on est lâché. Deux fous dans une poche. On part. On visite. On vit des émotions, puis entre-temps aussi, on se garde des idées parce que je pense que c'est la place parfaite pour faire notre vidéoclip. On se met en mode création. Mode création? Alors, OK, mode création dans 3, 2, 1. Ça part! Ça, c'est mon bureau. OK. Ça c'est le bureau du patron. Fauteuil capitonné et j'en présidente et développement. C'est bien toi. C'est bien moi. OK, ça, c'est ma première pièce, OK? C'est la première pièce que j'ai vue en arrivant ici, puis je suis tombé en amour tout de suite. Et c'est police, prohibition, drogue, armes, tout. Combien t'en veux? D'un peu ça, je pense que ça va te servir, ça. Moi, je fais ta police, toi, tu fais le voleur. Comment tu remets ta face dans le coin? Confuse! C'est un peu confuse, hein? Okay, j'ai jamais évolué dans cet univers. Moi non plus. On le joue, OK? OK. Oh, les gars, venez vous en vite, hein, qu'on se fasse pogner! Police! Hey! Tire, je me fais sauter! Hey, fais pas de conneries! Hey! Fais pas de conneries! C'est bon, ça, il dit ça, me semble. Fais pas de conneries! Drop la dynamite! C'est ça qu'il faudrait qu'il dise. Fais pas de conneries, drop la dynamite! Bon! Effet spécial! Ça part fort! Hey, c'est bien malade! Check là-bas, le gun rouge, ça tire du. Ça tire du cash! C'est comme dans un clip de Cardi B. Ah! Essayez-les, voir s'il marche, on pourrait le mettre dans notre clip, ça, me semble. Ça, c'est sûr, ça prend ça, là. À vous, hein? Oh non! Oh non! J'imagine juste quelqu'un qui rentre en ce moment, qui te voit avec la cagouche. Je suis tellement malhabile, là. Ça va pas de bon sens. Je pourrais pas être voleuse. Ah! Ça marche! Impossible! Je suis bien à bout de tout ça. On le garde pour le vidéoclip, je pense. C'est sûr qu'on le garde! C'est parfait. Véro, pendant la prochaine heure, là, ton cerveau va tout le temps se dire « Ça se peut-tu que je sois ici? » Non, mais non, ça je le sais. C'est un lieu qui se peut ou c'est un lieu qui se peut pas? Mais j'en reviens pas. Il y a le char de Back to the Future, plus de roues. La DeLorean. Ben, en fait, il y a des roues, c'est juste qu'ils sont comme quand t'as flotte. Là, en marches-tu? Tu peux essayer de rentrer dedans? C'est quand t'as... Ben non. Je sais pas, ça. Il y a même pas de poignée. Je sais pas. Et non. Ben oui, c'est sûr qu'elle ouvre. T'as peu moins. Non, elle ouvre pas. Hein? Impossible. Mais voyons! Impossible! Une autre affaire qu'il y a là, juste te montrer, ça, c'est le loading dock. Il vient de recevoir la porte du banquier. OK. Check.
Pour vrai? Ça apporte de la voûte. Hein? C'est la vraie? Ben voyons donc! Mais là, ils l'ont barré, là. Mais c'est la vraie de vraie, fait qu'ils récupèrent les décors, ils reçoivent plein d'affaires. C'est bien hot! Oui, hein? Quelle bonne idée! On note. On a des gens qui notent ici pendant qu'on se promène. Faut prendre une pause parce que je viens de gagner un prix. Un prix pour quoi? Ben, faut que je fasse mes remerciements. Je vais te le traîner, tes remerciements, ça sera plus tard. Fais-moi confiance. Parfait. Travaille ici. OK. Là, je t'explique. Ça fait 60 000 pieds carrés ici, OK? Oui. Puis là, ce qui est drôle, on est direct dans l'allée là, il y a plein de monde de l'équipe cachée. Ils pensent qu'on les voit pas, mais ils sont tous là. Bonsoir. Salut la gang! Parmi les tabourets et les chaises! la réalisatrice est cachée là. Tu peux les louer. Tu peux les louer. Okay. Ils sont noirs. Puis à voir combien qu'on a eu de fun dans les deux premières salles, on n'aura pas assez de notre heure de visite pour C'est sûr que non. Fait que là, ici, on est sur l'étage, c'est comme tous les sofas, mais il y a des sofas de toutes les époques, de toutes les... Comment qu'on rentre dedans? Je pense qu'il y a une porte en dessous à gauche. Il y a une porte! OK, je peux-tu? Oui. C'est un petit peu un rêve, ça, là. Oui? Oui. Oh, mon Dieu, j'étouffe! Même Cloutier est dans le gâteau, tout le monde. On a juste entendu « Mon Dieu, j'étouffe », mais ça sort de où? De un trou? Non! OK! Impossible! Impossible, mais qui rêve de ça pour son anniversaire, Mme Cloutier? Bonne fête, Mathieu! Puis là, ça prendrait une chanson de restaurant. Tu sais, là, dans les restaurants, bon les bonnes fêtes, genre... Part de Saint-Hubert. C'est ta fête ou te caches-tu? C'est ta fête ou te caches-tu? On est là pour te fêter. On est là pour te fêter. Ça sert à rien de te cacher. Ça sert à rien de te cacher. On va te trouver, on va te fêter. Tout le monde, joyeux! Joyeux! Anniversaire! Anniversaire! Joyeux! Anniversaire! Lâche-moi une gâteau. Hey, c'est lourd, là. Je peux pas te lancer ça. C'est pesant. Ben, je veux juste pas que tu te casses le cou, là. Et tabarnak! Ben oui, c'est ça. Mais moi, j'ai juste une petite question. Pourquoi je comprends pas comment ça marche. Pourquoi tu peux ta tête pas sortir est allée... de même. Chouing! Pourquoi ta tête est allée un peu dans l'agressivité avec la toune de fête? Essaye pas de te cacher, on va te trouver. Il me semble que si tu me fais... T'arrives dans ce gâteau-là pis tu me chantes ça, je suis comme, vas-tu fâché? Ben, j'ai peine à croire que tous les serveurs se mobilisent pour venir à ta tête. Essaye pas de te cacher, mon Chris, on va te trouver. OK, au revoir. Tu repars, je te remets le top. Oui, je repars. Tu me remets le top? Je te remets le top. Mets-moi mon crémage. Bye-bye! Bye! Hey, attends, là. Moi, j'ai essayé d'ouvrir ça avec ma tête. T'as poussé dedans pour le... J'ai poussé avec ma tête, parce que moi, là, dans ma tête, c'est comme une petite feuille de papier, tu sais. Ouais. Puis là, ta défense, chouing! C'était pas ça, là. C'est pas que ma tête Je sais pas dedans. Si vous l'avez senti. Je me suis pété la tête. Je me suis donné un swing. Choum! Toi, tu rentres pas là-dedans en passant. Pourquoi? T'es bien trop grand. Je travaille vite. Pour vrai, pire surprise de fête. Si le gâteau date de genre avant Jésus-Christ. Ah, ça sera pas possible. Ta fête, c'est demain, finalement. L'acoustique était carrément dans le gâteau. Mais pourquoi tu penses que c'était bon de même, ma toune? Je vous ai fait préparer un petit setup chez la coiffeuse. Ben j'aime ça. C'est là qu'on peut patiner puis jaser. C'est là qu'on peut patiner, surtout. Excellent choix de magazine, hein, en passant. Ah, ben c'était même pas prévu. Ben non, c'était pas pensé, hein. Mon Dieu, il y a des post-it dedans. Ah! Pourquoi qu'il y a des On a une passion commune. Oh, c'est notre. C'est notre jargon du Saguenay. Ah, ben oui. On aime ça parler avec l'accent saguenayen. Ben certain, tu veux qu'on dise nos phrases? Fait qu'on a des petites phrases là-dedans. Ouais. À faire avec l'accent saguenayen. Puis juste pour mettre en contexte les gens, quand on se texte, Véro puis moi, c'est rendu qu'on met des entre parenthèses S. On met S entre parenthèses, ça veut dire qu'il faut lire le texto avec l'accent du Sag. Oui. Oui, parce que, bon, Mathieu, tu viens de là. Moi, ma famille vient de là. Moi, j'ai pas grandi au Saguenay, j'ai pas été élevée là, mais j'ai de la famille encore là-bas. Ouais. Ça fait partie de mon ADN, cet accent un peu chantant que je trouve donc beau. Quand tu l'entends, ça vient de faire frissonner à l'intérieur. Ben moi, oui, moi aussi, ça me fait ça. Je m'ennuie du Saguenay, là. Ça me donne le goût d'aller virer au Saguenay puis d'entendre le monde. Ben oui, à 100%. Tu t'en rappelles, mon anecdote, là? Quand j'étais là, à Place du Royaume, la madame est venue me voir au David Titi. Ah, t'as dit quoi? Elle m'a dit, c'est-tu toi, Véronique Ducasse? Oui. Ça vient de là, cette histoire-là. Ça vient de là, Véronique Ducasse? Tout le monde se demande pourquoi qu'il m'appelle la Ducasse. Ça vient de là. Elle t'a dit ça? C'est-tu ta cause? C'est-tu toi, Véronique Ducasse? Ici, on est dans la salle un peu plus coquine. On a d'un côté loterie, bijoux, de l'autre côté poupée gonflable, fausse. En fait, c'est très hétéroclite. Très hétéroclite. Il y a vraiment des bijoux, là, des vrais bijoux. Ouais. Puis là, tu te vires de bord. Il y a un strap-on et une poupée gonflable. C'est comme un musée d'horreur. Tu sais, ça, là, ça, moi, j'ai peur de ça, là. Ah, qui me regarde. Pourquoi tu le fais virer en même temps? Parce que je suis tellement bonne. C'est de moi. T'es toute naturelle. Je pense qu'en 2021, tout le monde est rendu ventriloque. Check. Oui. Tu me le passes, tu vois pas ma bouche bouger. Je pense que l'effet peut être vraiment intéressant. Oui. Check ça, mettons. Ah! Ah! Un peu grave. Hey! Il fait noir comme dans le cul de nous.
Il fait noir comme le ciel un minot. C'est vraiment le fun à faire. Mais c'est tellement épeurant. Mais c'est tellement épeurant, c'est sûr que le soir, il prend vie, là, cette petite rapace-là. Mais je veux un plat de lui dans le cul. On n'a pas parlé de ça ici. Je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un non-dit, c'est vraiment un non-dit. Elle, on l'avait pas dans le clip, là. Ouais. Elle, ça fait cheap. Non, elle, non, elle devrait être dans l'autre salle, elle devrait être dans la salle de la drogue. Elle, ça fait peur. Ah! Ben c'est oui. Comme un petit fouet. Oui. Mais ça, tu préfères, tu sais, dans la chanson, quand tu dis « cul de noir ». Le petit back vocal? Chouin, ouais. Oui. Cul de noir. OK, parfait. J'adore, on le note. Il fait noir comme dans le cul de noir. Il fait noir comme dans scène d'un minou. On dirait qu'il fait mal ses rires, là. Il fait noir comme dans le cul de noir. Cul de noir. On passe au deuxième étage. OK. J'ai vu un cadre qui ressemble à ton chien. C'est quoi son nom déjà, Gisèle? Gisèle! C'est là que Gisèle est. Check. Mais c'est un peu Gisèle lendemain de veille, mettons. Là? Ouais. Ben là. Trouves-tu? Même pas la même sorte. Non? Non. On dirait Feu Zapette, le chien à Julie Snyder. Hein? Des machines à journaux! Oui, comme à New York! Je pensais pas que c'était aussi gros, là, pis qu'il y avait autant de tout. Mais voyons, t'avais-tu vu qu'il y avait quelqu'un? Non. Ben, j'ai eu peur! On le veut-tu dans le clip? Ça pourrait être un figurant. Oh, mon Dieu! Mais il est donc bien pesant, ma foi du Christ! Pas que le tronc va essayer de sortir. J'ai peur! Mais il manque une jambe. Sa jambe est restée là. Mais voyons, je t'apprête à le déshabiller. Mais il y a le bras pris, monsieur! OK, on va le perdre, je pense. T'es prêt? Attends. Est-ce qu'il va, monsieur? Il va bien? Il est mort. Je pense qu'on lui a disloqué une épaule. Mais elle est dans le panier d'épicerie en arrière de toi. Mais je suis pas capable tout seul. Il est bien trop lourd. Aide-moi. Aïe, aïe, aïe! Mais son esti de bras, il peut-tu coopérer? Tu sais, c'est trop compliqué. On peut aussi casser. Parfait. Garde, on le laisse là, puis on n'en parle plus. Hé! Hey! Paix en ton âme. Pour vrai, on le laisse derrière. Okay. On continue. On sauve, personne va le savoir. Des sièges de bébé, possédants, tout ça. Oh, Mathieu, t'as un appel, t'es très occupé avec tes clients. Oui. C'est-tu là que ça sonne? Oui. Ben non, ça sonne pour vrai. Vas-y, 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 vas-y. C'est ce que je dis, bonsoir, continue. Oui. Télé-Ciné Montréal, bonjour. Télé-Ciné Montréal, bonjour. Oui, le transport de. À quelle destination? C'est l'ambulance pour Sylvain. Un fauteuil léopard. Laissez-moi juste vérifier parce que je suis nouveau ici. Ce sera pas bien long. Je vous laisse la ligne. Ce sera pas bien long. Est-ce qu'on fait la livraison d'un fauteuil léopard dans... Mais là, sur hold, ils vont le prendre en bas. Faut juste que quelqu'un leur dise. Oui, donc c'est possible. C'est-tu un gros fauteuil? Ça rentre pas dans une Fiat, mettons? Non? Parce que moi, j'ai une Fiat. OK, bon, mais d'accord. Ben, je vous retransfère à ma collègue qui va vous prendre en charge beaucoup mieux que moi. Merci, au revoir. Merci, je vous redépose. Oui? Ah, excusez-moi, je pensais que vous étiez sur attente. Ce sera pas bien long, je vais juste parler. Ce sera pas bien. Vraiment, je sais pas quoi faire. Faut partir. Fait que là, on a un petit 5 minutes pour faire le tour, de regarder tout ça. C'est vraiment impressionnant, là. J'ai trouvé une affaire qui m'intéresse quand même. On poursuit la visite. Si on n'avait pas de cheval, ça prendrait 2 heures à faire le tour. Fait que ça, tous tes plus grands fans sont là, Véro. Et ça, c'est ma section presse. Des vieux cabarets de bouffe pis bonne. Qui va trouver que ça a l'air réaliste? Il y a des toasters qui ont toute la section de Tupperware. Ma mère avait ça de mettre ses céleri. Malade. On préfère une annonce de Brand Power. Ça me rentre pas dans la tête à quel point il y a tout. Je t'aboute d'être titre. Je capote. Gros jambon. T'as-tu le pouce vert? Ben non. Oh, les gros lions pour faire riche. Les lions, c'est-tu vrai ça? C'est quand t'as ça devant ta maison, c'est que tu l'as payé cash? Hein? J'ai jamais entendu ça. Je regarde la définition. OK, lion devant maison. Ça veut dire que l'hypothèque est finie. Ah, ouais, hein? Ouais. C'est ça, je disais, ça fait riche. Mais c'est flasheux. Mais notre clip, le budget, il est-tu payé? Non, c'est ça. Ouais, faudrait pas mettre ça devant. Fait que tu vois comme il y a de tout, tu sais, entre une rangée de divans, t'arrives, il y a une barque. Se casser une truite sur le bord de la fourche 3-4. C'est la première respiration qui vient. Ça sera pas possible en ce moment. T'as l'air tellement à l'aise, là. Non, mais passer 12 heures demain, je pars avec une coliose, là. Mais c'est sûr. Un torticolis à côté. Okay, je vais me sortir, OK? Oui, moi, sors-toi à ta de là. Vire ça de côté. On a-tu les mêmes phrases dans les deux revues? Ah, c'est toutes des phrases différentes. C'est toutes des phrases différentes, OK. Et que c'est tout préparé. OK, ah, ça part. Le flaxo, il fait son fier pète avec sa petite froc. J'ai mis mon corps de laine puis mon sweater. Ah, je suis allé au comparage de Manichouette, là. Véro m'a dit. Non, mais Véro m'a dit, là, j'ai goût de manger un casseau de crème à glace.
pas un casseau. Un bon casseau. Toi, t'as le casseau complet? Un casseau marbré. Arrête! Et qui est extravagant. Regarde, moi, t'as le dit. Moi, t'as le dit, j'étais ce magari, il est passé à Belle Épouvante. Ah, c'est bon. C'est... Faut qu'on les plogue dans ben les oui, forts. Ben oui. Ah, mais c'est à cause du fait frais, ta femme, un chien. C'est ton expression préférée. Fait frette à fendre un chien. Elle casse un chien en deux. Ah, son char, il a pogné le cutter, il a crevé son rubber, puis il a tout scratché son muffler. Je te crée pas. Ah, arrête, arrête de me faire répéter. Je te crée pas, elle est toute rebordée depuis qu'elle est veuve. Ah, il a reçu comme un chouette à la sourde. J'ai dit, ferme la caduque du signe, puis va crier ma catin. Et qui est mal avenant, et qui est mal avenant, le petit perron est pas élevé. As-tu remarqué comment je me suis mis swell, là, pour aller veiller? Ben, j'ai remarqué certains. Check tout la tricu. Non, mais c'est un. Ah, ben attends, j'avais une belle chemise blanche, pis là, j'ai mangé des fraises, pis t'as tout taché rouge. Non, mais garde, je vais te le dire, c'est un gigon. Il est bien dadon, mais il a l'air feluette. C'est un maudit gigon, ça, là, un flanc mou, là. C'est Mario, tu parles? Je parle de Mario. Mario, il sort avec une gadaille qui a toute la falle à l'air, là. Attention, tu vas te casser le sac du cou. Mario! Un beau wéreux, ça. Un choineux de wéreux. Ah, le grand ray, il fait simple en bleuet, là. C'est mais... toi, ça, la grand ray. On peut-tu parler de ce qui fait très sanguinien? C'est ton début, ton... Ah! Oui, c'est toutes les... Ah, mais ça, là, ça, c'est ça qui marche bien. Véro, c'est sûr que la vidéo qui va soit léché. Les deux. Il nous reste à passer dans une section où il y a des animaux. Vu qu'on dit cul d'un ours, scène de minou, poulet cru, il nous faut des animaux. Ça prend ça. C'est bon? Oui. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Okay, Véro, ici, on est à la section horticulture. Pogne-toi une plante, coup de cœur, et on part. Ah, mais là, attends, là, c'est ton clip aussi, là. Ben non, mais parce que non, mais t'en pognes une, j'en pogne une, maintenant? Ouais. Moi, je pense que je vais y aller avec les oiseaux du paradis. OK. Tu sais même pas ce que je dis, il y a juste un oiseau mort pogné ici dans la fougère. Okay. Moi, je prends un arbre. C'est pas un arbre? Oui. Moi, je vais pogner celle-là ici. Je trouve qu'il est beau. OK, ça continue. On part. Oh, un orgue ici. Un orgue. Allez donc chez Liap. Hey, c'est le vrai orgue de Rock et Belles Oreilles. Pour vrai? Je te jure sur ma tête. Mais j'ai chanté du RBO. C'est, ben, c'est le vrai orgue. C'est là-dessus qu'elle jouait, là. Oui. Allez donc chez Liap. Allez donc chez Liap. Pis si vous êtes pas content, allez donc chez Liao! On prend une petite photo de Hibertin avec l'arbre. On poursuit le parcours à gauche. Oh mon Dieu, on pourrait se faire une crèche aussi. Hein? On pourrait se faire une crèche, mais t'as une autre chanson. Il y a le petit Jésus, mais on dirait juste un pâté chinois congelé, mais avec genre. Avec l'enfant saint poigné dans la main. Avec le Jésus poigné dans le gratin. Par là! Fait Véro, je t'ai fait un petit setup de score avec ton trophée. Alors, bend live à côté, trompette et tambour. Tout photo. Est là. OK, mais là, toi, t'es une pro des remerciements. T'en as fait vraiment souvent, là. Mais pas tant, là. Mais quand même. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Alors, bonsoir. Je suis très, très, très touchée de ce prix-là. Ça me fait vraiment plaisir. En tant que meilleure ambassadrice du Saguenay, je voudrais remercier la gang de Rouge. Surtout, j'aimerais remercier Mathieu Dufour, Matt Duf, comme il l'appelle sur les Instagram. Matt Douf. Matt Douf. J'aimerais ça te dire un gros merci pour toutes ces opportunités-là que tu me donnes. Puis en terminant, merci à tous. Je suis très, très émotionnée. Excuse-moi, je vais juste demander une information. Oui, madame, je m'excuse, je cherche le plateau de tournage du clip Poulet cru. Pêche-moi le poulet. C'est pas un poulet, mais... Ben, ça va être... Un poulet, c'est un coq, un poulet? Oui. Oui, c'est la même affaire? Je pense que oui. Bien, dans le tune, on entend un coucou. Oui, ça, je sais. Mais pourquoi ça a deux noms, d'abord, c'est la même affaire? Wikipédia! Tu peux apporter l'ours, c'est disponible? Okay. Non, il est pas. Et là, on va arriver au setup que j'ai préfait. On Parfait. Va tourner ça là. Tadam! Oh, wow! C'est ça, ça se passe? Ça va être magnifique. À vous! Le bébé dans le formol. Le bébé dans la marionnette qui fait peur, le poulet cru. Et tu peux mettre l'ours là. Qui fait ça, c'est ça de même. Fait que là, on a les éléments, on a le setup. Oui. On a même les deux sphinx là. On est très Katy Perry. Hein. Très Katy Perry. Très. Très Katy Perry, mais assumé. Oui, on s'assume là-dedans. C'est des genres de. De gros mamelons qui tirent du feu. J'aime tout le setup. J'aimerais ça qu'on s'assoie. J'aimerais ça qu'on se dépose pour, comme, juste, tu sais, faire ben, un brainstorm. Faire un plan, là. Faire un plan. Fait ouais, qu'on va faire peu... ça dans la salle la plus épurante qu'il y a ici. Spielberg. Non. Un peu Spielberg. Parfait. OK. Oh. Oh mon plus grand bas de chienne. Surprise! Oh mon Dieu! Ça, je me suis dit,
Parce que les grands bottes de chienne ont quand même été marquants, tu comprends? Je me suis dit, tu sais, qu'il pourrait avoir une petite passe dans le vidéoclip. Ça prendrait une petite passe de danse en bottes de chienne. À vous, hein? Ben oui. Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est sûr. Fait que ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Les mannequins, là, on fait semblant de rien, là. Ben, on est entouré de gens nus, là, puis on est bien à l'aise. Ils sont pas flambant cul, ils ont des cravates. Ouais. Ils ont des... Ah, puis ils ont des lunettes. Ils ont des lunettes puis des cravates. Et c'est vrai. Elle, c'est la plus épeurante. Elle, on va se dire, là, dans 3, 2, 1, elle ouvre les yeux puis elle nous stable. C'est sûr. C'est clair. C'est sûr qu'elle, là, le soir ici, quand ils ferment les lumières puis qu'ils s'en vont chez eux, ouais, là, elle apprend vie. C'est sûr. C'est l'employé de nuit. Elle m'amarde, là, ici, là, toutes les nuits. Moi, je viens pas ici le soir, jamais. Là. On se fait un petit brainstorm. Petit brainstorm vidéoclip. Oui. Comment qu'on voit ça? Tu sais, voyons la toune, là, quand ça part, là. Au début, c'est la partie très. On dirait qu'on parle dans des cacanes. Plus comme au téléphone, hein? Ouais. C'est comme si on se parlait. Il y a des cabines téléphoniques en bas. On pourrait commencer là. OK, j'adore. Un peu référence téléphone de Lady Gaga. Très téléphone de Lady Gaga. OK. OK, fait que là, c'est toi qui es comme. Mathieu, je peux pas croire qu'on t'arrête de faire ça. Ouais. Non, prépare-toi, Mathieu, on va en faire un grand. De ouais, c'est ça. Fait qu'on pourrait faire les téléphones là. Après ça, on se transporte dans notre super décor. Ça, dans le décor, il va y avoir une version performance où oui, on serait plus normal. T'sais, on chante vraiment. On chante. À pouvoir entrecouper dans le montage. Oh mon Dieu, mon rêve de faire du lip-sync sur ma propre voix. Je veux que tu me parles honnêtement là, oui, de l'aventure de Poulet Cru. Oui. Parce que c'est à partir d'une estime niaiserie, on s'entend. Complètement. Puis là, ça s'est quand même rendu loin là. Oui. Puis comme je voulais savoir comment tu avais vécu ça. Niaiserie vraiment là. Mais profonde. Je suis arrivée à ton live Instagram un peu dernière minute, le soir de l'Halloween, pas déguisée, puis je me trouvais poche, ouais, de pas être déguisée. Puis c'est pour ça que j'ai comme compensé en... Je voulais en mettre puis être drôle. T'sais. Ah, parce que tu te sentais mal de pas être déguisée? Ben oui, parce que je me trouvais plate. OK, je savais pas que j'étais pas dans le concept. Mais ça a parti fort, parce que la première affaire que t'as dit, c'est ça, j'ai réécouté l'extrême, moi, ouais, de où okay, ça a parti. Moi, j'ai pas réécouté. Tu l'as pas écouté, t'es comme... Tu dis t'es où, parce que j'étais dans mon décor un peu sombre. Ouais. T'as dit t'es où, voyons, il fait bien sombre chez vous. Il fait noir. Il fait noir! Il fait noir comme dans le cul des noirs! C'est clenché ça direct première fois. Ça a commencé de même. Oui. Puis là, moi, j'ai rétorqué avec. Il fait noir comme dans scène de minou. Well. Comme dans quoi? Dans scène de minou. Ça n'a pas de bon sens ce que tu veux dire là. Il fait noir comme dans le cul des noirs. Il fait noir comme la scène de minou. Faudrait qu'on continue. Puis là, ben après ça, la toune est née. Ah, puis là, je me souviens d'avoir comme dit, ça pourrait continuer. Il fait noir dans mon cul. Il fait noir dans la rue. OK. Mais je pense qu'on n'a qu'une chanson. On en discute. On sort un single. Imagine, ça sort sur la pop musique, Véro, je décide. Ça t'était jamais arrivé d'être au top des palmarès, ça, dans ta ben, carrière? Jamais. Écoute, numéro un au Canada, quand ouais, même, en quelques heures. Jamais vécu ça. Puis je te dis, j'ai jamais fait de lip-sync, je pense, sur ma propre voix, là. Ouais. À part dans un sketch. Mais fait que je suis bien excitée, là. C'est mon premier vrai vidéoclip, là. C'est excitant, raide. C'est dommage qu'il n'y ait plus Musique Plus avec les clips comme dans le temps. Parce la que, guerre des clips. D'après moi, le combat des clips. Le combat des clips. Oui, t'étais pas né, c'est pas de ta faute. Le monde ont tellement embarqué. Oui. Tu sais, le monde sont vraiment dedans, là. Genre, ils suivent, là, puis ils embarquent, mais je m'attendais pas à autant que ça. Mais c'est ça qui est hot avec le monde qui te suit, tu sais. C'est qu'ils embarquent dans tout. Ils acceptent toute la proposition, tout ouais, l'univers de Mathieu. Puis ils viennent vraiment n'importe où. L'important, c'est juste de les apporter tranquillement, pas vite. Alors, on profite que vous êtes là. Merci à tous. Je peux pas croire qu'on est rendu là, Mathieu. On fait ça? Oh yes, ma chum, prépare-toi, on s'en va faire un grand cri de hit. Okay. Il fait noir comme dans le cul de nous. Il fait noir comme dans scène de minou. Il fait noir comme dans le cul de nous. Il fait noir comme dans scène de minou. Il fait noir dans mon cul. Il fait noir dans la rue. Il fait noir. Hey, moi, il y a une question qui m'est revenue souvent par rapport à Poulet Cru, puis genre, je voulais t'a poser. Oui. Parce que ça me fait rire, là. Tu sais, la fois que j'ai fait une entrevue 98.5, oui, l'angle là, que la journaliste me posait, c'était tout le temps. Mais là, t'as apporté Véronique dans une zone vraiment vulgaire, puis. Ouais, ouais. Puis j'étais comme, ben là, mais mon Dieu, on s'est pas chié les mains, puis on n'a pas applaudi, là. Tu sais, dans le fond, on n'a pas fait des grosses affaires trash, là. Non, mais moi aussi, j'avoue que ça me surprend. Surtout que depuis une couple d'années, j'ai tellement comme pris un peu plus ce chemin-là. Ouais, avec les fantastiques, genre. Ouais, entre autres, puis mon show de scène, puis tout ça, tu sais. Fait que ça me surprend que ça fasse cette réaction-là, que les gens fassent comme « Ah! Oh, Véro a dit cul! » Ouais. Puis, tu sais,
Ben oui, je dis bien pire que ça. On s'est censuré pour la chanson. Je voudrais pas vous décevoir, mais la première version de la chanson aurait pas joué nulle part. Que j'ai un lourd passé, j'ai fait plein de jobs qui ont comme aucun bon sens. J'ai travaillé sur la voix, voilà une couple d'années. Il y a une tâche qui est tombée dans ma cour. J'ai entendu dans les talkie-walkie, il nous faut quelqu'un pour s'occuper de Ginette Renault. Là, déjà là, moi, ça me parle. Moi, tu viens me pogner par les sentiments. Je me rappelle quand je l'ai vue, elle sortait de sa décapotable, j'ai fait Ginette, c'est moi qui te prends en charge. Il y a un lien de confiance qui s'est créé. Fallait que je réponde à toutes ses demandes, OK? C'était absurde. À un moment donné, Ginette, elle est comme, là, dans ma loge, il y a de l'air climatisé. Et ça, ça me pogne dans la gorge, je pourrais pas faire mon solo. Fait que là, moi, ma job, c'était de trouver comment fermer l'air climatisé. Mais là, l'employé d'entretien du studio était comme, c'est impossible qu'on ferme l'air climatisé parce que si on la ferme dans la loge à Ginette, on la ferme sur l'étage au grand complet, puis c'était journée de canicule, OK? J'étais comme, ben, le monde va suer du dos, mon beau. Le monde va avoir chaud du pinch parce que sinon, Ginette, à part. Fait que finalement, ils ont fermé l'air climatisé, tout le monde était en bout de tabarnak, tout le monde était comme, oui, on fait bien chaud ici, j'étais comme, Ginette, à la gorge.